Le présent n'est qu'une illusion. Le passé, un rêve. Le futur, une incertitude. Donc ce docteur Remanski qui vous envoie, vous avez des troubles, des hallucinations. Ces hallucinations sont plutôt visuelles, auditives. Disons qu'elles sont très réalistes. J'ai toujours de la peine à faire la part des choses entre la partie rêve et réalité, quoi. Au moment où je me réveille, je ne sais jamais quoi, où j'en suis. Vous avez des migraines. Ces migraines suivent ces hallucinations? Pas toujours. Les migraines, elles apparaissent comme ça, quoi.
Plutôt le soir, plutôt la nuit. Différemment, disons que c'est pas régulier quoi, il n'y a pas de. Je vois que ces hallucinations, on les avait depuis toujours. Hein. Ouais. On a un traitement pour les maux de tête. Je pense qu'il est utile de passer un scanner. Un scanner pour éliminer toute suspicion de problème cérébral. Suspicion de quoi ? Tout simplement une vérification, on est tranquille. Vous passez le scanner si vous le souhaitez, et on se refait un point après. Est-ce qu'il y a un risque de quelque chose ? Je suis malade ? On n'en est pas là, vous inquiétez pas. Vous passez votre examen, et on se revoit ensuite, d'accord ? Oui, Céline, vous voulez bien venir, s'il vous plaît ? Oui, Céline, il faudrait prendre un rendez-vous pour un scanner cérébral en urgence pour Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. D'accord, un rendez-vous pour un scanner. Merci. On vous verra avec la secrétaire pour le jour du rendez-vous. C'est inutile de vous alarmer. Allez. Je pense qu'il est utile de passer un scanner. Il n'y a rien d'important dans ce que l'homme peut voir. La vérité est souvent au-delà du regard. Viens chez moi, je vais essayer de te...
Allez. Oh, ça va, c'est superficiel. Oui, de toute façon. C'est pas loin. Là, on est arrivé là. Je suis juste au premier là. Ça va? Oui. Oui, ça va. Ah. Madame Lenoir ? Oui. Asseyez-vous. Je vous ai convoqué pour vous poser quelques questions. On m'a demandé d'enquêter sur la disparition de votre mari. Il y a des gens qui s'inquiètent de ses absences au bureau, à ses rendez-vous. Et vous ? Il est souvent absent? Pour être absent, il l'est, mon mari. Même en étant à la maison, il est absent. Savez-vous ses motifs? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Comment se fait-il que c'est un ami de votre mari qui m'a demandé une enquête et pas vous? Vous savez, mon mari, mon fils et moi, on le voit jamais. Il passe sa vie à son travail ou à son club de tennis, mais jamais à la maison. Mais avez-vous signalé son absence à la police? Pierre est majeur. Vous savez très bien que la police ne fait rien pour les majeurs. Êtes-vous fidèle? En quoi ça vous regarde? Ma vie privée n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes mariée jeune? J'avais 22 ans. Vous êtes mariée par amour? Pierre, je l'ai bon. Et je l'aime toujours. Dans quel milieu avez-vous été élevée? J'ai grandi dans le domaine de mes parents. Ils avaient un vignoble à Saint-Émilion. Vous avez des enfants? Oui. Maxime aura 5 ans à la fin du mois. Vous savez certainement que votre mari a contracté une assurance qui vous met confortablement à l'abri de vos besoins jusqu'à la fin de vos jours. Oui, je le sais. Nous avons signé les papiers ensemble avec Pierre, à la naissance de Maxime. Votre mari est-il fidèle? Je lui ai déjà posé la question, il m'a jamais répondu. Je sais que Pierre aime les femmes. Et comment le vivez-vous? Pierre est le père de Maxime. L'essentiel, c'est l'équilibre de Maxime. Aujourd'hui, que vous apporte encore votre couple? Une vie confortable. Finalement, en dehors des apparences, votre mari est plutôt encombrant.
Vous parlez de mon mari ou d'un objet? Cette disparition est pour vous des espaces de liberté. Il est 5h moins quart. Je dois aller chercher Maxime à l'école. Si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Je n'y manquerai pas. Au revoir, madame. J'ai vu le médecin que vous m'avez dit. Il veut faire des examens, en plus. Oh, il a bien essayé de me rassurer, mais... Je sais pas, j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Il m'a dit qu'il était optimiste, oui, mais... S'il y avait une tumeur... C'est quand même pas rien, hein. Oh, c'est pas que j'ai peur de mourir, mais enfin quand même, c'est... De toute façon, je manquerai à personne, ça. Pas d'amis, pas de famille. Je suis tranquille. Enfin quand même. Quoique... J'ai rencontré quelqu'un, enfin... Un personnage de mes rêves, en plus, c'était... Dans la rue, ça a été un peu douloureux, même, mais... Elle est si belle. Par contre, c'était une fille de mes rêves, mais c'était pas vraiment comme dans mes rêves. Dans mes rêves, j'arrive à la sauver. Là... heureusement qu'elle avait un revolver. Pourquoi d'ailleurs? Remarquez, elle doit être en danger parce que quand elle m'a ramené chez elle et on nous a tiré dessus. J'ai même été blessé. C'est à ce moment-là que j'ai encore eu une hallucination. Je me voyais en train d'étrangler une femme. Elle pouvait même pas crier. Je serrais, je n'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est. C'est plus possible, ça. Je suis pas content. Fais la tête. D'habitude.
toi. Ah, oh, t'es grincheuse. Toujours tout seul? Hein? Où tes copains? Oh, mais enfin, Stéphane, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pourtant dit des centaines de fois de rentrer tout de suite après l'école. Où tu traînes encore? Et puis, c'est l'heure de passer à table. Et puis, à midi aussi, j'ai mangé toute seule. Tu sais bien que j'aime pas ça quand tu rentres pas. Médicaments. Tu m'as même pas préparé mes médicaments. Tu me les prépares toujours d'habitude. Je comprends rien à l'ordonnance du médecin. Alors. Bah si je me trompe, ce sera de ta faute. GMT, the latest world news.
BBC News with Michael Poles. The American Defense Secretary Donald Rumsfeld says the U.S. has information that Al-Qaeda members are operating near the line of control, dividing Pakistani-controlled areas of Kashmir from those administered by India. He was speaking at a news conference in New Delhi calling on talks to Indian leaders. Ton épaule, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Mais pourquoi on nous a tiré dessus? C'est une vieille histoire. Je suis poursuivie par un malade, il est jaloux. Au point de vouloir vous tuer? Il est fou. Mais oublie-le. On va pas le laisser nous gâcher la soirée. En fait, il faut que je vous rende votre arme. Non, c'est pas le moment. Et puis, on sait jamais. Ça ne t'a pas gêné dans ton travail? Non, j'ai eu la semaine pour me reposer, donc... Tu fais quoi? Je suis dans le textile. Je travaille le week-end, ce qui me laisse du temps pour me reposer, quoi. Et puis... Surtout pour m'occuper de mes plantes et puis de mes écureuils. Tu as des écureuils? Oui. Un et deux. En fait, ce qui est bien avec eux, c'est... On n'est jamais déçus, quoi. Quand on les aime sincèrement, ils vous le rendent toujours. Et puis, ils sont marrants. On les voit qui s'amusent, qui tournent dans leur roue. On peut les prendre, on peut les cajoler. C'est... Et puis, j'ai des gerbilles aussi. Des gerbilles? C'est quoi un gerbille? Une gerbille. C'est une sorte de petit rat qui vit dans le désert normalement. Et j'en ai sept en fait. Il y a donc Prof, qui est le chef de la bande. Il y a Grincheux qui lui est toujours tout seul dans son coin. J'ai Dormeur qui passe sa journée, toutes ses journées à dormir dans leur petite maison. Joyeux, lui, c'est l'inverse. Il passe son temps à jouer, à tourner. Et puis il y a Achoum. Tes souhaits? Il est allergique? Non. Puis il y a... Timide et simple? Oui. J'aime bien, quoi. Tu... Allez, pour me faire plaisir. De toi, alors. Et vous faites quoi? Moi, je travaille au clubhouse du tennis. C'est très animé. Ah oui, ça doit faire beaucoup de monde. Oui, c'est justement l'intérêt. Vous aimez le tennis, alors? Je l'aimais. Mais parle-moi de toi. Tu as toujours vécu ici? Oui. Et vous? Moi, j'ai passé mon enfance à Saint-Julien. Petit village du centre de la France, avec mes parents et ma sœur. Et puis je suis venue à la ville pour travailler,
J'ai fait des petits boulots avant d'aller au club à bouse de Tillis. D'ailleurs, j'ai commencé dans ce restaurant. On a sympathisé, c'est pour ça que je t'ai invité là. C'est très bien, d'ailleurs. Vous voulez pas que je vous raccompagne? Non, non, c'est bon, je suis juste là. Mais tu pourrais me tutoyer. Au revoir, Lucie. Angélique. Ce que j'aime, ma belle Angélique. Docteur ? Oui, Céline ? Monsieur Deschamps est arrivé. Bien, merci. Entrez, je vous en prie. Sors, monsieur Deschamps. C'est vous. Docteur ? Oui ? Je pars un peu plus tôt aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui. À demain. Demain. Asseyez-vous. Monsieur Deschamps. Bon, j'ai reçu le compte-rendu du scanner. Vous avez une masse au niveau temporal gauche. C'est une tumeur, vous avez une tumeur cérébrale. Vous risquez d'avoir une compression du lobe qui va induire des paralysies, problèmes de mémoire, problèmes visuels. Il va falloir opérer. Mais vous m'aviez dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de risque. Oui, effectivement, j'avais espéré, oui. Les résultats sont là. Il faut opérer. Thank you.
j'ai déjà opéré ce genre de problème avec moins de réussite. Il faut le faire. Thank you.
Ah, bonjour monsieur. Vous venez sans doute pour vous inscrire au club. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez que nous avons le meilleur club de la région, avec des entraîneurs de haut niveau, qui sont des ex-premières séries. 10 cours à votre disposition, dont 4 couverts, et depuis l'année dernière, nous avons même un cours en herbe. Si vous voulez, je vais vous donner un dossier. Jambert, détective. J'enquête sur la disparition de Maître Lenoir. Je pense que c'est la personne qui est sur la photo. Oui, en effet, c'est bien lui. Vous travaillez ici? Oui, je m'occupe de la gestion du club house. Les réservations, les inscriptions. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Vous voulez un café? J'en ai de fait. Oui, s'il vous plaît. Avec un sucre. Quel est votre nom? Angélique. Parlez-moi de Maître Lenoir. C'est un habitué du club. Il vient là tous les jeudis et vendredis pour faire un double. Excusez-moi, mais c'est interdit de fumer. C'est un club sportif. C'est quoi un double? Deux joueurs contre deux autres joueurs. Ils jouent toujours avec les mêmes personnes? Oui, c'est les personnes qui sont sur la photo que vous avez vue. Quand ont-ils joué la dernière fois? Je vais vérifier. Alors, vendredi dernier, il y avait juste le docteur Descartes et Jean-Marc Boutet. Mais ni Pierre Lenoir, ni Stéphane Bertrand. Le docteur? Patrice Descartes. Alors, le mardi, tiens, personne n'était là. Surprenant. Et le vendredi d'avant... Ah ben, ils étaient tous là. Et c'est la dernière fois que vous avez vu Monsieur Lenoir? Oui. Pouvez-vous me donner leurs coordonnées? C'est-à-dire que... Je ne suis pas autorisée à vous donner les renseignements, mais vous pouvez voir le président du club, Michael Mandetto. Il est là tous les soirs entre 19h et 20h. Je vous dirai que vous êtes passé. Maître Lenoir, vous le connaissez personnellement? Non, mais sa femme Lise est une amie. Elle, vous l'avez vue récemment? Elle est passée au club dans la semaine. Vous a-t-elle parlé de son mari? Non. Où puis-je vous joindre si j'ai besoin de quelques renseignements? Je suis ici tous les jours du mardi au samedi. Merci pour le café. Vous savez, je me pose des tas de questions en ce moment. D'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression que tous les gens essaient de tirer la couverture à soi. C'est...
On est puissant. On dirige les gens comme des pions sur un échiquier. J'avais un ami. Alors Folina, c'était comme mon grand frère. On était souvent ensemble et puis c'est vrai qu'il était tellement heureux, tellement... Il avait une telle joie de vivre. C'était... Il arrivait toujours à nous faire rire. Et... Plein d'ambition. Et... Il voulait être chanteur. Ah, il chantait bien. C'est vrai que c'était... Chaque fois qu'on était ensemble, j'étais bien, j'arrivais à sortir un petit peu de moi-même, c'était merveilleux. Puis on s'est quitté il y a quelques années. Moi, je suis parti travailler, lui aussi. Et là, j'ai appris qu'il s'était suicidé. Lui, se suicider. Comme quoi. Il paraît qu'il voulait me voir juste avant. J'aurais peut-être pu faire quelque chose, je sais pas. Le fait de parler, des fois, ça suffit, ça. Ça l'aurait peut-être aidé de... J'avais déjà pas d'enfance, alors... J'ai plus aucun passé, maintenant. Comment voulez-vous que je construise mon avenir? J'ai l'impression de subir complètement la vie. C'est... C'est pas moi qui décide de ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas. C'est... Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez déjà recherché vos origines? Rechercher mes origines? Je les connais pas, j'en ai pas. Vous n'avez jamais essayé? Ils voudront jamais. Ils me l'auraient dit autrement. Ça... J'étais à la Folina, s'ils pouvaient me le dire, ils me l'auraient dit d'où je viens. Vous savez, comme on dit, qui ne tente rien, rien. Monsieur Deschamps, nous avons étudié votre demande de renseignement concernant votre placement en orphelinat et votre famille. Il faut que vous sachiez qu'ici nous avons des règles très strictes qui doivent être respectées. Et de par ma position, je ne peux me permettre d'en déroger. Il est absolument impensable de donner ce genre de renseignement comme ça. Oui, mais... C'est quand même ma vie, c'est quand même mon histoire, j'ai le droit de savoir qui sont mes parents et d'où je viens. C'est... Comprenez-moi, monsieur. Si tout le monde se met à vouloir savoir tout sur tout, c'est l'anarchie. La DAS vous a pris en charge pendant 15 ans. Elle a été votre tutrice légale. C'est elle qui vous a nourri, qui vous a logé. Elle sait ce qui est bon pour vous. Je suis directeur de ce service depuis 10 ans. Et je vous certifie que nous n'avons jamais divulgué ce genre de renseignements. Oh, quand même, c'est... Oui, quoi?
Voyons, mademoiselle, vous ne savez pas que je suis en rendez-vous ? Ah. Bon, d'accord. Très bien, j'arrive. Excusez-moi, cher monsieur. J'ai un problème urgent à régler. André Deschamps, la grêle, mon père ne serait pas mort. Croyez-moi, il vaut mieux certaines fois ne rien savoir que de connaître la vérité. Rentrez chez vous et n'y pensez plus. Au revoir, monsieur. Sache quand même, on m'a pas dit. Non, c'est pas rien. Non, voilà. Bonjour Lucie. Non. Bonjour Angélique. Ouais, Angélique. C'est pas Angélique. Je sais pas où je ferai. Pas vu mon fils. Ah non. Regardez, c'est lui là. Il est pas rentré, il me laisse jamais toute seule. Vous l'avez pas vu? Non, je suis désolée, madame. Je le connais pas. Je cherche. Oh, je voudrais bien le trouver quand même. Non, vous l'avez je pas suis vu? Non, non, madame. Excusez-moi. Oh, mais... Gonna drive my blues away. I keep thinking mad at me. Gonna drive my blues away. And you're welcome as my loving as flowers in May. Mad at milk, mad at milk, keep rushing to my head. Mad at milk, mad at milk, keep rushing to my head. And a funny, funny feeling, I threw it all.
more drink. Hug your dad one more time. Baby, fix me one more drink. Hug your dad one more time. And you fix my tragic mama until it changed my mind. Tu sais, Rémi, quand je suis revenu à moi, je n'ai pas tout de suite retrouvé la mémoire. C'est quand j'ai revu Catherine que le déclic s'est fait. Elle a été ma raison de vivre. Chaque petit progrès dans son état était une nouvelle joie. J'ai appris à lire dans ses yeux. C'est bavard des yeux quand on a que ça. Ma grande question était... Après moi, j'ai retrouvé un espoir en tout voyant. Quand on perd quelqu'un et que l'on sait pourquoi, c'est très dur, mais on en fait son deuil. Mais quand on ne sait pas, c'est toute une vie de questions. Je sais. Trente ans. C'est un bonheur de te retrouver. C'est un vrai bonheur. Deux. C'est fou.
Allez, mange. On se dépêche. On mange. Tous ensemble à table. Un repas, c'est... C'est le bonheur, un repas ensemble. C'est dans un repas qu'on voit que les gens s'aiment. Parlez-moi de votre sœur, Lucie. Je n'arrive pas à la joindre. Il y a des voisins qui semblent l'avoir vue passer rapidement. Mais est-on sûr que c'est elle? Vous savez pas où je peux la joindre? Non, je ne sais pas. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Vous me paraissez bien troublé. Vous me cachez quelque chose. Je vais servir au club à ouf pour la coupe de la drogue. C'est pour le championnat d'eau. Ouais, tu me fais rien, attends. Des danseuses, des danseuses. Combien de sets t'as joué, toi? Je sais pas. Mais j'en boirais autant que j'en ai gagné. C'est les pêches. C'est la raquette. C'est la raquette. Et puis ça m'ennuyait parce que j'avais rendez-vous avec des amis. Alors Lucie m'a proposé de me remplacer. Lucie! Ah Lucie! À boire! Lucie! On n'a plus rien dans nos verres! Lucie! On n'a plus rien dans nos verres! Hein? Les nôtres? Ouais! On n'a plus rien! Je m'attrape bien autre chose, moi. Ça va! Ah, je sais pas vous, mais moi, elle me donne des idées, la petite. C'est lequel, mon verre? Attends, j'y vais. Chut, bouge pas. Non, j'en ai. Martel! Attends, Lucie! Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Putain. Ils étaient tous autour d'elle.
débattait. J'ai rien pu faire. Maître Lenoir était-il présent? Oh, oh, oh! Attends! Attends! Attends, attends! Je sais pas. Ils étaient loin, j'ai pas pu voir. Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Dis donc, je vais à la pêche demain, tu viens avec moi ? Demain, non. Je vais rentrer ce soir. Mais je reviendrai la semaine prochaine. Prochaine. Ouais. On traverse Saint-Ju à l'étang là-bas. On dégoujon en ce moment. Attends, j'y vais. Tu veux du café? C'est mon parfum ? Non. C'est pour Catherine, mais je t'en avais fait un ou trois fois. J'aime bien travailler le bois, c'est un matériau noble. Toute ma vie, j'ai travaillé le bois.
Ça n'a pas l'air d'aller, tu dis rien depuis tout à l'heure. Ah, tu sais, c'est pas la forme en ce moment. C'est pas la forme. T'as des soucis au travail? Oh non, au travail ça va. C'est plus ma mère. Je dois croire que je suis un bon man de 10 ans, toujours à me parler. Oui, mais enfin, t'es plus un enfant quand même, elle doit bien comprendre ça. Oh, si c'était aussi simple. Oui, mais enfin bon... Ta mère, faut bien qu'elle comprenne. Ça fait 3 semaines, Stéphane, qu'on s'est pas vu. Tu es complètement absent, tu dis rien. Là, aujourd'hui, on se voit exceptionnellement 5 minutes, et là, tu me dis rien. Tu sais quoi? J'ai encore un truc à régler. Un dernier petit souci, tu vois. Ça prendra pas longtemps. Mais promis, demain, on prend la peau d'escampette, on va prendre l'air, on part une semaine, 10 jours si tu veux. On prend la route, et on ira vers l'océan, vers l'océan. Ça te dit l'océan? Hein, l'océan? Ça te dit l'océan? Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Bien sûr que je me rappelle. Le Windsor à Biarritz. On part une semaine. Juste un détail à régler et après on part. Tu te rappelles que Maxime va avoir 5 ans dans 3 semaines? 5 ans déjà. On le rapproche. On mange à lui. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous connais pas. Tu me connais pas? Mes potes que t'as dessoudés, tu ne me connaissais pas non plus. Attendez, je n'ai tué personne, moi. D'abord, vos potes, je les connais pas et je vois pas pourquoi j'aurais tué quelqu'un. La connerie de l'autre soir, au club. Au club? Mais quel club? Le viol. Hein? Allez, tiens. Viol de qui? De Lucie! Lucie? Qui Lucie? Oui, Lucie, la sœur d'Angélique. Tu vas la connaître, tu seras tout le temps avec elle. Je savais pas qu'elle s'appelait Lucie, moi. Mais l'autre soir, on avait bu.
était un peu chaud. Et puis ils se sont jetés sur elle. Mais moi j'ai juste assisté, j'ai rien fait. Puis merde, de toute façon c'est Emanski qui m'a dit que je pourrais trouver ici. Il m'a filé ton adresse. Docteur Emanski? En personne. On va régler nos comptes. Madame Bertrand? Oh. Vous êtes bien Madame Bertrand? Oui, mais je croyais que c'était mon petit. Pff, il n'est pas encore rentré de l'école. Pff, à quelle heure il va rentrer? C'est votre fils? Oui. Vous êtes avec lui? Oui. Oh, ça fait 22 ans. Ah oui, en 80, mon mari est mort. Ah, oh. Il est beau, hein? Il s'appelle bien Stéphane, votre fils. Oui, oui. Mais il n'est pas encore montré. Oh. Il vous a jamais parlé de Lise? Ah. Oh. Mais vous êtes la voisine du dessus. Vous êtes sur palier des Dupuis. Ah, oh, il était bien malade, monsieur Dupuis. Il a du mal à s'en remettre depuis son opération. Hein. Ah oui. Vous savez, Madame Bertrand, je suis venue pour Stéphane. Ah, dimanche, c'est son anniversaire. Je vais lui faire un gâteau. Il voulait inviter des amis, mais ça fait du monde, on n'est pas bien grand. C'est vrai qu'on aurait pu déménager, on aurait pu demander un HLM. Mais là, on est à côté de l'école, alors c'est plus pratique, ça me fait moins faire de soucis. Ouais. Madame Bertrand, votre fils, il travaillait. Il a des responsabilités. Il va plus à l'école. Je vais vous offrir un petit quinoa. Hein? Vous prendrez bien un petit quinoa. Allez, buvez. Non, il va pas tarder. Il faut pas vous inquiéter, on vous aurait prévenu s'il était arrivé quelque chose. Oh oui, il a encore à traîner avec ses copains. Mais pourtant, je vais recommander de rentrer tout de suite. Oh. Oui, il va pas tarder. Mais ça va être trop cuit. Vous savez, il est tard, je vais m'en aller. Je vais vous laisser. Vous inquiétez pas, la rentrée. Oui. Mais regardez ces plantes. Je sais même pas arroser. Ah! Je ne pensais pas vous voir ici, mais je ne suis pas étonné. Vous m'avez demandé de faire une enquête sur la disparition de votre ami Pierre Lenoir. Pendant l'enquête, j'ai découvert d'autres disparus, si je puis m'exprimer ainsi. Au total, 5. 4 ont en commun le tennis, ils se rencontrent au club et finissent souvent leur séance par un repas, quelquefois bien arrosé.
Un soir, ils s'en prennent à la serveuse. Et cela va beaucoup trop loin. Depuis, ils disparaissent un par un. Angélique, la sœur de la serveuse, sait ce qui s'est passé. Et elle veut la venger. Il y a son ami Rémi Deschamps. Bien mal dans sa peau. Il y a vous, thérapeute de ce Deschamps. Et ami d'Angélique. En fait, vous me demandez de livrer à la justice ce pauvre Deschamps, comme le coupable des 4 disparitions, des 4 violeurs. Deschamps, que vous manipulez, tout ça pour vous faire un alibi. Mais c'est vous, l'auteur des disparitions. Moi, la seule question qui me reste, c'est où sont les disparus? À mon avis, parce que pas vu, pas pris, si on ne retrouve pas les preuves, il y aura un non-lieu. Sur l'échiquier, si je suis le fou vous met en échec. Le plus fort, tu vois, c'est que toi et tes tiers,
Vous venez chez moi vous débarrasser de vos mots sans une seule fois vous demander si j'ai envie de les accepter. Tu me diras, c'est mon métier, certes. Mais bon, je ne suis pas la SPR non plus. Il y a deux sortes de malades. Les nuisibles et les inutiles. Les nuisibles, eux, ils transforment leurs mots en vices qu'ils abattent sur les plus faibles. Et puis, il y a les inutiles. Ce sont tous ceux qui traînent leurs mots derrière eux comme une limace à bave. Ton problème, c'est que tu es du mauvais côté du cadre. Tu es du côté des faibles. Tu es comme ton père et bien d'autres. Tu n'as pas compris que la conscience est la tare des faibles. Jamais tu ne pourras réussir parce que tu n'as pas le courage de te donner tous les moyens pour avoir ce que tu veux. Comment crois-tu que j'ai réussi dans la vie? Parce que tout simplement, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour écarter les concurrents et pour séduire les autres. Ta mère voulait, mais elle s'arrêtait toujours en cours de route. Comment dirais-je? L'émotion la prenait toujours à la gorge. À propos, j'ai appris que papa et ma petite sœur étaient toujours vivants. Tu vois, comme quoi, je ne suis pas si dur que ça. Qu'est-ce que tu penses de mes passagers dans la voiture? Tu les reconnais? Oui, je suppose que tu dois les reconnaître. Je pense que tu as compris que tu n'étais pas capable d'avoir accompli ce que tu pensais. C'est-à-dire que le courage, c'est pas quelque chose qui est vraiment commun avec toi. Et en ce qui concerne Angélique, tu te crois vraiment à la hauteur? Moi, je pense qu'il lui faut quelqu'un de plus rayonnant. Rayonnant, j'aime bien ce terme. Alors, regarde-toi. L'esquisse d'une rébellion. Ça ne t'est pas habituel. C'est bien. Un peu tardif, mais pas crédible du tout. Tu ferais mieux de lâcher cette lame. En plus, c'est pas ton genre. N'oublie pas que tu es né victime et que tu le resteras. Ton sort ne peut pas en être autrement. Salaud! 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 Assassin! Assassin!
Identité, le reflet d'une réalité. La réalité, une perception individuelle.